Oui, c'est effectivement un sujet qui est difficile parce que quand Lyon n'est pas en forme, ce qui est le cas, le championnat est un peu déséquilibré, en particulier sur la partie Coupe d'Europe. Et donc voilà, donc oui, il y a sûrement des choses à regarder. Voilà. Bon, on essaye de suivre de manière très précise quelles sont les obligations et quelles sont les opportunités qu'utilisent un certain nombre de clubs pour continuer à avancer. C'est difficile aujourd'hui parce qu'il y a une grosse différence compétitive entre Paris Saint-Germain et d'autres clubs. Donc je pense qu'il faut que, d'une part, il y ait plus de régulation. Deuxièmement, il faut qu'en France, on mette en place un système de play-off pour qu'à la fin, les clubs moins importants puissent aussi approcher le titre. Et puis, on essaye aussi d'être plus inventif pour essayer d'être compétitif. Donc il faut de l'innovation avec l'académie. C'est l'année du Covid qui nous a mis en difficulté parce que le championnat a été arrêté avant et on avait été en Coupe d'Europe 23 fois de suite avant. Voilà, et après on a eu un certain nombre de difficultés, mais on a fait il y a deux ans la demi-finale de Champions League. Donc voilà, et l'année dernière le quart de finale contre le quart de finale d'Europa League. Bon, donc voilà, donc il y a un certain nombre d'événements qui nous ont été contraires. J'espère, cette année c'est pas possible, on va essayer de retrouver, puisqu'on joue la demi-finale de Coupe de France dans 15 jours, on va essayer de retrouver l'Europa League et la Champions League, ce sera pour l'année prochaine, je l'espère.